Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à la 10e conférence Gérard Parizeau. Je suis heureux de vous voir en si grand nombre. Écoutez, mon nom est Jean-Pierre Le Goff. Je suis professeur ici à HEC Montréal. Et j'ai le plaisir de co-présider avec Robert Parizeau les différentes activités du Fonds Gérard Parizeau, dont cette conférence. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, M. Patrick. Merci, M. Le Goff. Alors, M. Parizeau, M. Allaire, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de l'école, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale et chaleureuse des bienvenues à HEC Montréal. C'est évidemment pour nous un très grand plaisir que d'accueillir cette conférence Gérard Parizeau à l'occasion du 10e anniversaire, comme le disait Jean-Pierre, du Fonds Gérard Parizeau. C'est un grand honneur pour nous. C'est la 6e fois que HEC Montréal est l'hôte de cette conférence qui alterne entre HEC Montréal et l'Université de Montréal. J'aimerais remercier la famille Parizeau et souligner la très grande confiance que la famille manifeste envers l'école. Cette confiance nous honore et sa grande générosité. Nous sommes évidemment très fiers des liens qui unissent depuis très longtemps la famille Parizeau à HEC Montréal. En fait, l'école compte maintenant 4 générations de Parizeau parmi ses diplômés. Le premier, évidemment, fut nul autre que M. Gérard Parizeau, mais ses fils, M. Jacques Parizeau, Robert et Michel, ont également étudié à HEC Montréal, tout comme le petit-fils de Gérard Parizeau, M. Pierre Parizeau, et ses arrière-petits-fils, Laurent et Dominique. Donc, c'est une histoire d'amour qui nous lie à la famille Parizeau depuis très longtemps, et nous en sommes très fiers. Quelques mots sur Gérard Parizeau. Ce fut une figure dominante du paysage économique et financier du Québec, et en particulier du milieu de l'assurance, évidemment. M. Parizeau, Gérard, a consacré une grande partie de sa vie au lancement et au développement d'entreprises dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, dont la dernière entreprise fut Sodarcan. En ce 10e anniversaire, donc, du Fonds Gérard Parizeau, M. Allaire, qui vous sera présenté un peu plus tard, va s'intéresser à une question qui est on ne peut plus d'actualité, la question des réformes ou des modifications au cadre réglementaire des marchés, de l'avenir du capitalisme. Et je pense que c'est un thème qui est particulièrement approprié, non seulement à cause de sa contemporanéité, mais parce qu'il revient dans le fond où il reflète les grandes préoccupations de Gérard Parizeau lui-même, qui a été préoccupé du développement de la science, mais aussi des institutions économiques et des politiques économiques. Donc, bonne conférence. Merci d'être ici aussi nombreux. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de HEC Montréal, mesdames, messieurs, monsieur Allaire, bienvenue à la 10e conférence Gérard Parizeau et à la 6e consacrée aux questions économiques et financières. La première conférence Gérard Parizeau ou HEC fut celle de Michel Crouy le 4 avril 2000. La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international, un sujet qui est toujours d'actualité. C'est M. Philippe Jorion qui prononçant la deuxième, en 2002, la gestion des risques après le 11 septembre 2001. Puis en 2004, M. Claude Castonguay nous parla des pensions. Les pensions, un sujet d'inquiétude. Et c'est toujours un sujet d'inquiétude. Monsieur Claude Bébéard, le fondateur d'AXA, traitait en 2006 de l'investissement international et la souveraineté des États. Monsieur Jacques Parizeau fut le conférencier en 2007 à l'occasion du 100e anniversaire de HEC. Sa conférence s'intitulait « Entre l'innovation et le déclin, l'économie québécoise à la croisée des chemins ». Nous traversons une crise financière et économique sans précédent depuis les années 30. Sans une aide massive des États, le système financier se serait effondré. Nous ne pouvions pas laisser passer ce
nous ne pouvons pas laisser passer un tel sujet à l'occasion du 10e anniversaire des conférences Gérard Parizeau et de la 6e OHSC. C'est pour nous un très grand honneur de recevoir le professeur Yvan Allaire, qui a analysé et suivi cette crise de très près pour en tirer un certain nombre de propositions pour l'avenir. Je laisse au professeur Jean-Pierre Le Goff le plaisir de présenter notre conférencier, le professeur Yvan Allaire. Alors, je vais résumer très brièvement la carrière de M. Allaire. Alors, notre conférencier, M. Yvan Allaire, a su allier un brillant parcours universitaire et une fructueuse carrière dans le monde des affaires. Il détient un MBA de l'Université de Sherbrooke, un doctorat de la Sloan School of Management de MIT. Il est professeur émérite de stratégie à l'Université du Québec à Montréal et professeur associé à HEC Montréal. Il est actuellement président du conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance d'organisations publiques et privées, organisme parrainé conjointement par l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et HEC Montréal. Il est fellow de la Société royale du Canada. Par ailleurs, il a été cofondateur et président du conseil du groupe Secor. Il a été vice-président exécutif de 1996 à 2001 de Bombardier. Il a été membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que président de son comité d'éthique et de gouvernance. Monsieur Allaire est l'auteur de nombreux livres et articles portant sur la stratégie d'entreprise et la gouvernance. Son dernier ouvrage, paru cette année, rédigé conjointement avec la professeure Mihaela Firsirotu de l'Université du Québec à Montréal, l'ouvrage porte sur le capitalisme contemporain et le système financier et a pour titre « Black Markets and Business Blues ». Alors, sur ce, je cède finalement la parole à M. Allaire. M. Allaire? Je vous remercie d'être là. Je vous salue tous, amis et invités d'honneur. Je salue les membres de la famille Parizeau. C'est un honneur que de prononcer une conférence qui porte le nom de M. Gérard Parizeau, qui fut un de ces hommes de la Renaissance qui ont su allier et combiner plusieurs carrières de façon brillante. Et je pense que ce sont des modèles, enfin, ce genre d'hommes qui deviennent des modèles pour nous. Je salue, bien sûr, Mihaela Firsirotu, mon co-auteur, qui est tellement plus qu'un co-auteur. Je vais d'abord vous dire que nous avons, bien sûr, écrit sur le sujet de cette crise financière, d'où elle provenait, comment elle s'est faite, comment elle aurait pu ne pas se faire. Mais que souvent, lorsqu'on est pris par ce côté analytique des choses, on n'en voit pas le véritable côté tragique et dramatique. C'est ainsi que nous débutons dans notre ouvrage en racontant comment nous avons compris ce que ça signifiait par un crépuscule de janvier 2009, roulant sur une route achalandée près de Lake Worth en Floride, où nous sommes entrés soudainement dans une zone étrange, une sorte de cimetière, fait de longues rangées de maisons, sans lumière, sans occupants, affichant de futiles panneaux à vendre ou à louer. Tous les propriétaires de ces maisons modestes, avaient été expulsés pour défaut de paiement. Le lieu suintait l'humiliation des parents, le désespoir des enfants, la décadence d'une société. Me met à l'esprit d'ailleurs cette phrase de Jean Rostand, « La grandeur d'une civilisation se juge à la façon dont elle traite les plus faibles. »
la civilisation américaine me semblait bien mal en point en cette soirée de janvier. Étant donné la nature de mon propos et les recommandations auxquelles nous aboutissons dans notre récent ouvrage, il est approprié d'annoncer clairement où je loge dans le village des idéologies. Je crois en l'entreprise privée et en l'économie de marché. Miela et moi avons vu, et dans son cas vécu, les cruels rationnements, les files d'attente, les magasins vides, les pénuries de biens essentiels, la mortelle inefficacité qui sont le lot d'une économie planifiée, d'un système économique étatique. Aucun doute que les marchés poussent à l'utilisation efficiente des ressources et répondent rapidement aux besoins et attentes des consommateurs et sont créateurs de richesses et de bien-être de la société. Les marchés sont une grande invention, tout comme l'énergie nucléaire. Ils produisent de grands bénéfices pour la société lorsqu'ils sont bien encadrés et réglementés. Le marché est le meilleur ami du citoyen, mais c'est un ami imparfait. Manique dépressif, il est exubérant un jour et déprimé sans raison le lendemain. Il a des goûts douteux, il favorise les forts et les riches au détriment des faibles et des moins nantis. Il fréquente les spéculateurs de tout acabit. Il flirte avec l'illicite. Il souffre de mythomanie, se croyant toujours et partout rationnel et efficient. Malgré ses torts, il demeure tout de même le meilleur ami du citoyen. Tous ceux qui croient aux vertus du marché et de la libre entreprise, qui croient au mérite du système dit capitaliste, doivent les premiers se lever contre les abus, les déviations, les manigances qui risquent de discréditer ce système pour le plus grand malheur de tous. On doit être critique de ce bon ami et sévère envers lui. Il y va de son intérêt et du nôtre. Les générations qui nous ont précédés ont pu compter sur de célèbres défenseurs des marchés de l'entreprise privée. Ces remarquables esprits, ces intellectuels et philosophes de notre âge, étaient également engagés dans les débats et l'action politique de leur époque. Edmund Burke aurait pu parler en leur nom à tous lorsqu'il déclarait n'avoir que mépris pour ceux qui protègent leur pureté intellectuelle par un célibat politique. Tous ont noté l'ironie du capitalisme. Son succès se fonde sur des valeurs et des normes sociales que le capitalisme contribue, cherche même à détruire. Les forces dynamiques qu'il déchaîne minent progressivement les valeurs de loyauté, de réciprocité, de confiance, de retenue, ce que Putnam et d'autres ont nommé le capital social. Éventuellement, le capitalisme s'affranchit de toute contrainte, élude les restrictions et les prohibitions. Or, ces valeurs sociales et ces restrictions sont nécessaires au capitalisme, leur absence en sonne le glas. Ce caractère du capitalisme, ses effets négatifs lorsque poussé à sa logique ultime, est apparu dès ses origines. La tension, voire l'opposition, entre le capitalisme, d'une part, et la solidarité sociale, les valeurs et cultures nationales, d'autre part, a préoccupé les philosophes depuis au moins Adam Smith. Le capitalisme, écrivait Karl Marx, porte en lui-même le germe de sa destruction. La cupidité et l'appât du gain sont les ennemis de la cohésion sociale et de la moralité. Le capitalisme n'est qu'un autre nom pour la cupidité, représente une force irrésistible, ultimement nocive et cruelle. Il est illusoire et trompeur de croire que l'on peut vraiment encadrer ou réglementer le capitalisme. Il faut donc l'abolir, l'éliminer, l'interdire. Marx, dont la mère disait « si seulement Karl avait un peu de capital plutôt que d'écrire sur le capital », n'avait pas compris toutefois la capacité du capitalisme de se renouveler, de s'adapter, de renaître de ses cendres. Adam Smith, dont on a voulu faire le père fondateur d'une sorte de fondamentalisme des marchés, est au contraire bien conscient des risques et des conséquences d'une économie de marché sans limites et sans bornes. Smith n'a-t-il pas écrit un ouvrage intitulé « The Theory of Moral Sentiments », un plaidoyer pour la morale, les valeurs sociales et la recherche du bien commun? Smith croyait que le libre marché devait mener au développement de valeurs comme la prudence, la vigilance, la constance, la circonspection. Edmund Burke, philosophe conservateur, grand supporteur de l'économie de marché, décriait les effets pernicieux de l'avarice et de l'amour du lucre, lorsque sans restriction et mal canalisé. Dans un propos très contemporain, Burke écrivait en 1790 que le plus grand danger de la société commerciale provenait des gens d'argent, men of money, dont l'ambition pécuniaire n'était pas suffisamment entravée par les règles légales ou culturelles.
Les conservateurs de Naguère étaient confrontés au dilemme suivant. Leur engagement envers les libres marchés, associé à une phobie prononcée pour toute intervention des gouvernements, les empêchait d'intervenir lorsque les forces dynamiques de l'économie de marché et du capitalisme menaient le système à sa déconfiture. Ils en appelaient alors à un retour et à l'exaltation des valeurs morales et sociales seules capables de contenir les excès du capitalisme, ou encore, ils en arrivaient presque à célébrer ces crises comme une sorte de saint mécanisme d'autocorrection inhérent au capitalisme. Devant les signes avant-coureurs de la dernière crise, certains puissants idéologues, Greenspan au premier chef, ont adopté une posture semblable. Toutefois, ceux qui croient aux vertus du système capitaliste, de l'entreprise privée et des marchés, seront plus utiles s'ils acceptent qu'une bonne dose d'intervention, d'encadrement et de réglementation soit nécessaire à la survie du système. Un appel aussi éloquent soit-il au renouveau des valeurs morales ne peut à court terme du moins suffire dans un monde dépouillé des institutions responsables de susciter, de protéger et d'entretenir ces valeurs. Quant à proposer aux citoyens de souffrir en silence pendant que le merveilleux système se guérit par lui-même de ses pathologies, cela me semble politiquement périlleux et inutilement cruel. Notre propre démarche s'inspire donc d'une certaine tradition selon laquelle un appui à l'économie de marché et la libre entreprise doit s'accompagner d'une volonté, d'un devoir d'en contrôler les excès et d'établir les garde-fous de leur pérennité, mais aussi d'une certaine justice sociale. Lacordaire avait une phrase heureuse sur le sujet, « Entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Deux distinctions préalables toutefois, contrairement à ce que prétend certains courants idéologiques, qui a eu ses heures même au Québec, la discipline du marché n'est pas appropriée pour toutes les activités d'une société. Certaines institutions gardiennes des valeurs, aurait dit Platon, doivent être soumises à une logique distincte, voire protégée de la logique des marchés. Alors, comment démarquer la nature des biens et services que l'on devrait soumettre à la discipline des marchés et ceux que l'on devrait considérer comme des biens et services publics devant être produits et distribués selon des mécanismes sociaux et politiques? Cette démarcation varie d'un État à l'autre, ainsi que d'une époque à l'autre, selon les courants idéologiques dominants. En certains pays, à ce moment même, la gestion des prisons, l'assurance santé, l'eau potable, les services militaires d'appoint sont soumis aux lois des marchés. D'ailleurs, ce sont des biens publics exclus des marchés. Deuxièmement, si les vertus des marchés de biens et services sont généralement admises et prêtent peu au débat de nos temps, il en va autrement des marchés financiers. Ceux-ci tentent de s'affubler des mêmes vertus que les marchés de biens et services, efficience, innovation, satisfaction des besoins, concurrence, etc. Or, les marchés financiers, hormis pour leur rôle d'intermédiation, apportent peu de valeur ajoutée pour la société. Hypertrophiés et métastasés, les marchés financiers étouffent l'économie réelle et imposent leur logique pernicieuse aux marchés de biens et services. Voici un point essentiel de toute notre argumentation. Les marchés financiers en sont venus à imposer leur logique du court terme de croissance trimestrielle du bénéfice par action, alors que celles-ci, les entreprises, font face à une concurrence féroce sur les marchés pour leurs produits et services. J'ai l'intention d'illustrer mon propos sur cette logique pernicieuse des marchés financiers par trois exemples, dont deux ont trait à des marchés importants aux États-Unis, mais qui n'existent pas ou pas encore au Canada, parce que notre société a décidé de les exclure de la logique des marchés. Je vous présente d'abord en vrac des fragments épars, des faits en apparence disparates, mais qui collectivement ont fragilisé le système, ont créé les cercles vicieux de sa déconfiture. Bon, l'évolution de la propriété des entreprises, ça c'est les 1000 entreprises américaines, c'est vrai partout, pourcentage des actions donc détenues par des fonds et non pas par des individus. Alors, il y a un seuil important qui est passé aussi autour des années 85-90 où les fonds dépassent le 50%. Ils sont maintenant à 70%, et dans les grandes entreprises américaines, c'est plus près de 80-90% détenus par des fonds. Donc, des fonds sont maintenant les propriétaires des entreprises. La gouvernance s'est modifiée, on a voulu des indépendants au conseil, ça s'est produit pendant un bon moment. En fait, autour de 1900, entre 85-90, 50% des administrateurs sont maintenant des indépendants. Et bien sûr, ça continue à monter autour de 65-70%, c'est selon les moments. C'est autour de ces niveaux-là présentement, un peu partout.
la rémunération des dirigeants. Retenez bien, parce que ceci est important. Pendant longtemps, pendant toute cette période ici, vous voyez, ça oscille autour de 25. Et ça monte tranquillement. Et ça, c'est ici, salaire et boni. Et ça atteint, bon, 90, à un moment donné, là, les chaises sont un peu difficiles à voir, mais autour de 90. Ça. Ce qui a fait basculer tout ça, ce sont les options. Et c'est ainsi qu'on arrive à 400-500 fois ici, que ça diminue, enfin, etc. Cet écart ici, et regardez les années où ça se produit, vous allez voir que les mêmes années où les fonds deviennent propriétaires des entreprises et où les conseils sont remplis d'indépendants. Je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a certainement une relation, une corrélation entre ces phénomènes. Ça, les principaux joueurs de la crise, la dernière crise, qu'est-ce qui les caractérise? D'ailleurs, il y a une faute de frappe qui est assez révélatrice, parfois qui est presque freudien, Sellers of Credit Default Swap, et non pas Swamp, mais... Voilà le genre, Freud serait très heureux de cette erreur. Mais enfin, qu'est-ce qu'elles ont? Tous ces joueurs, sauf les hedge funds et les caisses de retraite, sont des entreprises cotées en bourse, sans actionnaires significatifs. La transformation des banques d'affaires en entreprises cotées en bourse, un phénomène qui a joué un rôle important, vous estimez, elles se sont toutes transformées entre ces années-là de partenariat, enfin de société de partenaires professionnels, en entreprise cotée en bourse, avec la logique de l'entreprise cotée en bourse. La première, c'est Salomon, qui est disparu pas longtemps après, d'ailleurs, à cause de cela. Et tous les autres sont devenus, au cours des années 86, 94, 97, 99, 2005, Blackstone en 2007, des entreprises qui étaient résolument hors des marchés boursiers et sont devenues maintenant sur les marchés boursiers, cotées, et gérer avec la logique des marchés boursiers, c'est le thème de cette conférence. Je vous fais grâce de tout ça, ce qu'ils disent, c'est une étude assez bien faite, où ils ont interviewé 400 CFO, et essentiellement, ce qu'ils disent, oui, admit sacrificing long-term economic value to hit a target or to smooth short-term earnings. Donc, si on a le choix entre rencontrer les attentes du marché trimestriellement et des investissements rentables, mais qui, à court terme, déprimeraient le bénéfice par action, on n'hésite pas. Les nouvelles réalités du marché. Voilà la durée, la détention moyenne des actions. C'était en 1967 ans, graduellement diminué à 7 mois, avec effectivement beaucoup d'activités de toute nature. Alors, je vous fais grâce de tout ça, mais vente à découvert, on va y revenir. Et le volume de dérivés, de hedging, une sorte de stratégie qui n'existait pas, qui sont inventées. Les gens voient ça comme étant une source d'efficience des marchés. Il y a un argument, je suis prêt à le reconnaître. Mais le fait est que, en moyenne, les propriétaires, les 10 propriétaires d'entreprises tournent en moyenne tous les 7 mois. Drôle. Et c'est vrai au Québec aussi, au Canada. Voilà les entreprises dans les catégories qui sont évidemment, d'actionnaires importants. Voilà la période de rotation des actions. Dans les mêmes ordres de grandeur qu'on a observé ailleurs. Le pourcentage des entreprises, il y a un actionnaire de contrôle. Dans le cas du Canada, c'est 18 %, ça c'est le TSE, les grandes entreprises, TSE, S&P. Évidemment, UK, New York Stock Exchange, Nasdaq, c'est presque rien. En Europe, c'est encore un phénomène important. Et là où il y a un actionnaire avec au moins 25 %, donc actionnaire de blocage, 25 % dans les grandes entreprises canadiennes. Donc, le Canada est à quelque part entre l'Europe et les États-Unis. C'est souvent notre cas. D'ailleurs, on a écrit la devise canadienne, ça devrait être « in medio stat virtus ». Parce qu'en tout, le Canada est à quelque part entre l'Europe et les États-Unis. Mais avec une grande pression pour l'amener. Une journée, je ne sais pas pourquoi cette journée-là, elle n'a rien de spécial, c'est que ça me frappait en lisant les journaux cette journée-là, c'était un à la suite de l'autre. Ce qui est important, c'est « beat the street »,« beat estimate ». Donc, pour que chacun batte quoi, ça veut dire avoir un rendement, un bénéfice trimestriel qui est plus élevé que ce que le marché de street attendait. Et sinon, évidemment, « short of expectation », ça c'est très douloureux. Et puis, il y a un fonds de...
couverture qu'il décide de fermer parce qu'il est poursuivi par SEC pour avoir possiblement fait des transactions d'initiés. Et il y en a un qui perd finalement contre Target, où ils essayaient vraiment de pousser Target à faire des choses qui sont financières pour augmenter la valeur du titre. Et ce que j'aime, c'est un point important. This battle could not have come at the worst time when a company is also trying to deal with a grim retailing environment and a deteriorating credit card portfolio. Autrement dit, l'entreprise se bat sur un marché très dur et en même temps, on arrive par en arrière pour essayer de faire pression dessus pour qu'ils prennent des mesures, prennent action de façon qui n'est pas appropriée, au lieu de laisser le temps de faire les choses. D'ailleurs, c'est un terme qui revient. Sauf un exemple parmi d'autres, mais le titre de Google, 22 cents par action en bas des attentes, ce qui représente près de 65 millions de profits. Le titre chute de 21 milliards. Si vous êtes à dire, évidemment, ça va parce que les deux jeunes hommes contrôlent l'entreprise. Alors, bon, on veut un peu moins aujourd'hui qu'on va aller hier, mais ça, c'est pas grave, on ne veut pas vendre de toute façon. Mais quand il y a une direction avec des options dont la valeur fluctue comme ça, c'est une pression considérable. On a des fonds de couverture qui s'agitent, qui sont des activistes maintenant, des actionnaires activistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, bon, ça a été étudié. Vendre la compagnie. Ça, c'est sûr que vendre la compagnie, ça crée de l'argent, ça booste, ça fait monter le titre. Vendre des morceaux de compagnie, sortir le cash, endetter la compagnie, des dividendes spéciaux, racheter les actions. Tout ça sont tous des gestes essentiellement financiers. Changer le conseil, changer le management et la croissance, 1 ou 2 %. Et on va vous dire ensuite qu'ils ont une contribution très grande aux performances des entreprises. Au Canada, vous vous rappelez, Falcon Bridge & Co. souhaite se fusionner. Les deux sociétés seront plutôt vendues à des entreprises étrangères. Qu'est-ce qu'ils décident? Quarantaine de fonds de couverture qui avaient ramassé 40 % des actions. Ceux-ci ont réalisé 1,4 milliard d'honoraires pour 6 mois de travail et succès à ces deux opérations. Ça, c'est le calcul. On connaît leur pourcentage de performance. Prix d'achat, prix de vente, entre les deux, prenez 20 % de ça et ne vous trompez pas. Les vendeurs à découvert. Bon, plusieurs gens de finance ils argumentent que c'est bien, les vendeurs à découvert, ça rend le marché plus efficace. Oui, il y a du vrai en ça. Mais ça a un impact. Si vous regardez à la fin, les vendeurs à découvert, 2008, mars, regardez le titre qui s'en va presque à zéro, 2 $ et regardez pendant que les ventes à découvert, c'est-à-dire les ventes massives du titre par des gens qui n'ont pas le titre, pas des vendeurs. Quand c'est des vendeurs qui font bouger le titre parce qu'ils croient qu'il y a des problèmes et je veux vendre, très bien, le marché boursier sert à ça. Les ventes à découvert ont des sortes d'autres calculs et surtout lorsqu'ils sont « naked », c'est-à-dire, je ne sais pas en français, des ventes à découvert, les ventes à découvert au carré probablement, « the naked short seller », c'est-à-dire des gens qui vendent et qui sont censés livrer des actions, mais les emprunter à quelque part 3 jours après et qui arrivent au bout de 3 jours qui n'ont pas d'action à présenter. Et ce n'est pas insignificatif. 32 millions d'actions de Lehman, au moment où il allait faire faillite, ont été vendues à découvert sans livraison. C'est-à-dire que les gens voyant que le titre descendait, ont vendu pour pousser le titre encore plus, se disant, mais dans 3 jours, on doit livrer, mais quand les 3 jours est arrivé, ils ne livrent pas. J'espère que le titre va descendre encore, on va livrer quand le titre va être rendu à zéro, ou presque. Parce que 3 jours, il y a de l'argent à faire en 3 jours, mais si on pouvait durer un peu plus longtemps, on ferait plus d'argent. C'est essentiellement, fail to deliver, c'est une stratégie qui consiste à manipuler les marchés. Et ce n'est pas un petit montant. La valeur quotidienne de Fail to Deliver, 7,4 milliards en 2007. Quotidienne de Fail to Deliver. Et puis quand un produit dont j'aime bien parler, qui s'appelle les dérivés de crédit, formidable produit. On appelle ça d'assurance crédit, mais ce n'est pas d'assurance, donc on n'a pas besoin d'aucune provision, rien de ça. C'est un dérivé de crédit, mais ce n'est pas une valeur mobilière, parce que c'est négocié de gré à gré. Donc, personne n'a de droit de superviser ça. Essentiellement, ce que c'est, quand j'achète le dérivé de crédit, je parie que votre dette
va décliner en valeur, va décliner en termes d'évaluation, et je parie fortement là-dessus. Je peux parier 100 fois votre dette que ça va baisser. Et ce qui est apparu tout à coup, c'est un énorme marché, 57 trillions, on verra plus tard, 57 000 milliards en juin 2008, que je pourrais avoir de l'information venant de l'interne, qu'on est sur le point d'avoir une décote, ce qui va faire évidemment baisser la valeur de l'obligation et que c'est une grande valeur à mon dérivé de crédit. Et vous pouvez me communiquer ça et ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime parce que ce n'est pas une valeur mobilière. SEC n'a rien à dire là-dessus. Bon, c'est quand les gens ont découvert ça, quand nos amis des fonds de couverture ont découvert ça, à la fois, ce n'est pas de l'assurance, ce n'est pas une commission, la commission n'a rien à dire là-dessus, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vous voyez la somme des produits dérivés qui se transigent à ce moment-là, au 30 juin 2008, donc juste avant qu'on entre dans la crise, il y en avait pour 683 000 milliards, 683 trillions. Le PIB mondial est 65 trillions, essentiellement 10 fois le PIB mondial. En valeur nominale. Et, vous voyez, ici, ceux-là, 57, évidemment, sur taux d'intérêt, c'est énorme. Il y a toutes sortes d'affaires valables là-dedans. C'est pas, les produits dérivés, ça a un rôle. Mais c'est aussi une porte ouverte à ceux qui voient comment, au-delà du rôle de me protéger contre des variations de taux d'intérêt, parce que j'ai un taux fixe puis un taux flottant, puis je vais transformer ça en l'autre, comment je peux aussi jouer là-dessus. Et certainement, dans ce 57-là, qui est de l'assurance crédit, c'est aussi un produit qui a sa place. Énormément de spéculation. La partie spéculative de cette somme-là est difficile à évaluer, mais elle est considérable. Et évidemment, ils sont bien rémunérés pour ça. Et si on pense que la crise financière, celle de 2001-2002, beaucoup ont dit, écoutez, c'est bien sûr que les rémunérations chez Enron et les autres, c'est ça qui amène des déviations. Les gens en arrivent à tricher, c'est tellement payant. Mais si c'est vrai là, 25 personnes... Les 25 gestionnaires de fonds de couverture les mieux payés en 2007. Collectivement, ils ont reçu 16 milliards. Il fallait faire 360 millions pour être sur la liste. Ça représente plus que le PIB de 57 pays parmi les 178. Mais surtout, c'est trois fois la rémunération totale de tous les PDG du S&P 500 dont on dit qu'ils sont trop payés. Et on chiale contre eux, que c'est trop payé, ça n'a pas de sens d'être payé autant que ça. Ces 25 personnes-là, dont on parle peu, prou, ont reçu trois fois la rémunération des 500 PDG du S&P 500. Maintenant, ça attire beaucoup de nos diplômés, n'est-ce pas, les écoles. La progression des diplômés de Harvard qui vont en finance avec le temps, 45 % en 2008. Mais ce qui est plus significatif, dans toutes les écoles MBA aux États-Unis, quand ils entrent au MBA, 21% avaient dit qu'ils voulaient aller en finance. Quand ils terminent, c'est 40%. Alors, le message de l'école est clair. Oui, vous avez raison, vous avez bien fait votre job. C'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il y a l'argent et c'est là qu'il y a l'action. Les sources de fonds pour ces joueurs-là, les Blackstone et tous les autres, fonds de couverture, fonds de privatisation. Si vous regardez, caisse de retraite publique, caisse de retraite privée, fund of funds, c'est souvent caisse de retraite aussi, assurance, les fondations universitaires et autres, foundation endowment, vous arrivez à 72-74%. En fait, ces fonds-là avaient été créés pour ça ici, avaient été créés pour des individus riches, qui veulent bien mettre un peu d'argent à risque dans des fonds de couverture. Ben, s'ils seraient un dixième de leur taille, ces fonds-là auraient un dixième de leur taille, ce qui leur donne la taille et la capacité de vraiment prendre de la place de façon importante, c'est que les caisses de retraite ont découvert que c'était une façon, une place où mettre de l'argent. Et les innovations financières continuent, on va dire, mais non, ça continue. Le New York Times cette semaine d'ailleurs, ça. Titriser des portefeuilles d'assurance vie. Clairement, de Paris, c'est tranché, c'est vendu en tranches, etc. C'est que plus les gens meurent tôt, plus je fais de l'argent, plus ils meurent tard, plus je risque de perdre de l'argent. Et c'est Crédit Suisse et Goldman Sachs qui sont les leaders de ça.
Il y a d'ailleurs déjà un Tradable Index of Life Settlement qui vous permet de parier essentiellement sur la longévité des gens. Et il y a de nouveaux fonds, ça c'est intéressant, cependant, des nouveaux fonds qui sont sur les litiges. Vous pourrez investir un portefeuille de litiges en pariant si le portefeuille comporte des gagnants, vous recevez une partie de la prime qui a été gagnée par les avocats dans un litige donné. Tout ça. Un autre thème, c'est que la propriété est importante. Le Conference Board, en 2005, il y a 43 champions canadiens. Comment? 1 milliard et plus et une part de marché internationale importante. Ben, depuis, il y en a déjà 3 qui sont disparus, acquises par d'autres. Mais parmi les 40 qui demeurent, la moitié sont soit des entreprises privées, soit des entreprises et un actionnaire de contrôle. Même pas non significatif. Et parmi ceux qui ont un actionnaire de contrôle, 9 et 14, c'est avec des actions votant, des actions d'une classe supérieure. Les 300 plus grandes coopératives au monde, on n'en parle pas beaucoup ici, mais ça m'a frappé de regarder ça, que c'est un groupe important. Les 300 plus grandes coopératives, qu'est-ce qu'ils représentent dans le PIB de différents pays? C'est 20 % de la Finlande, c'est 6 % du Québec, du PIB québécois, c'est 2 % au Canada, enfin, etc. Les entreprises vraiment privées, on en a beaucoup, mais c'est intéressant de voir aussi les grandes, plus d'un milliard de revenus, 441 entreprises, 6,2 millions d'employés, des entreprises qui sont résolument demeurées privées malgré le fait qu'elles auraient pu, Bechtel, Cargill, Public, Supermarket, etc., et bien d'autres. Et, évidemment, on est abouti à une crise financière. Beaucoup de joueurs ont disparu et d'autres ont été vendus pour des... vraiment des pitances. Si vous regardez, malheureusement, AIG, qui valait à un moment donné 262 milliards, a maintenant une valeur de 48 milliards, mais enfin, au mois d'avril. Bear Stearns, 2 milliards. Enfin, c'était une hécatombe. Le Canada s'en est bien tiré, relativement. Une des bonnes mesures de qu'on s'en tire bien, c'est les mêmes CDS sur les pays. Combien ça coûte assurer la dette des pays? Et en novembre 2008, là, au moment où c'était, le Canada était le pays vu le plus sûr par ces marchés-là, de tous les pays. Vous voyez qu'on pense que la crise s'estompe. Les primes qu'il faut payer pour s'assurer pour 10 millions 5 ans diminuent, vont diminuer. Le Canada, est difficile à trouver, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'acheteur, personne. Je vais remarquer que ce groupe ici, Market, qui est très important, qui est lui qui donne les valeurs de tout ça, qui donne la valeur de tous les produits dérivés, CDO, CMBS, etc., c'est un groupe intéressant. C'est en fait propriété des mêmes personnes. Alors, celui qui fixe ce que le marché va faire, est en train de faire, c'est la propriété de JP Morgan, Morgan Stanley, etc. Ils ont tous les indices et on leur dit qu'ils doivent fournir une information confidentielle au propriétaire. Ils sont soupçonnés, pas de preuve. Mais de toute façon, ce n'est pas illégal. Alors, c'est pas illégal de faire ça. Ils sont sous enquête, cependant, pour collusion et entrave à concurrence, ce qui est une autre raison. Alors, les causes de tout 2007-2009, certainement déréglementation et non-réglementation des marchés financiers. La nécessité, là, l'élimination de toute la réglementation qui existait après la précédente crise, qui a été mise au rencard à partir de 1990 d'une façon massive en 1999, 2000, 2001. La non-volonté, même la volonté de ne pas réglementer les produits dérivés de gré à gré, over the counter. Toute l'incapacité de réglementer les fonds de couverture. Tout ça a fait que ça, évidemment, non seulement une faible réglementation, mais une déréglementation dans le domaine des ventes à découvert. De façon absolument extraordinaire, le 7 juillet 2007, on a enlevé une règle importante qui existe depuis 1932, la règle du optique. Vous ne pouvez pas vendre à découvert si les transactions précédentes n'est pas à la hausse. Alors ça, c'est trop facile, ça va à la baisse, j'amplifie. Et pour une raison, bon, encore une fois, une raison, les marchés sont efficients, plus besoin de ça probablement, le 7 juillet 2007, on enlève cette règle. Donc, dans la crise de Lehman en septembre, non seulement les vendeurs à découvert, naked, s'y sont mis.
Il n'y avait même plus besoin d'attendre, d'avoir cette contrainte, quand même une contrainte, quand le marché descend, c'est, je ne peux pas rejoindre, je n'ai pas le droit. Il n'y a pas besoin d'attendre la contrainte qui remonte un peu pour que je puisse vendre. Il n'y avait plus ça, optique. On avait enlevé ça en juillet 2007. La contribution réelle de ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. En fait. Et là, la croissance remarquable des produits complexes, CDO, CDS, ces trucs-là. Encore une fois, chaque fois qu'on voit ça, on devrait... Moi, j'avais présenté en juin 2007 à la conférence de Montréal, je vois que Gilles est ici, présenté en disant, regardez ça, regardez les CDS, et regardez la croissance de ça, on va se planter. On va se planter. On ne peut pas avoir un truc qui augmente à autour de 5 milliards par trimestre de nominal. Les CDO augmentaient, de 1 trillion, 1000 milliards par trimestre en 2007. 1000 milliards par trimestre de CDO. Et beaucoup de synthétiques. Et synthétiques, ça veut dire que c'est avec des CDS dedans, essentiellement des packages d'assurance. Ça veut dire que les investisseurs, en fait, devenaient des vendeurs d'assurance sans le savoir. Et là, une confiance remarquable, il n'y a pas trop d'alternatives, remarquez, aux agences de notation, leur capacité d'évaluer ça. C'est remarquable comment tout leur calcul était basé sur essentiellement des modèles qui avaient été fournis par J.P. Morgan, essentiellement. Les agences de notation se fiaient essentiellement David Lee, Gaussian Coppola, pour les gens qui suivent ça, c'est essentiellement David Lee travaillait avec J.P. Morgan quand ils ont inventé ça pour presser les CDOs, et les agences prenaient ça. La recherche d'alpha. Je vous explique rapidement, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, alpha, c'est un rendement qui est supérieur à ce que je devrais recevoir pour le risque que je prends. Et le bêta, c'est risque-rendement. Alpha, c'est je reçois un pourcentage de rendement qui est supérieur à au risque que je prends. C'est évident que pour les fonds de retraite, les caisses de retraite, les fonds de toute nature, l'alpha, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Là. C'est extraordinaire parce que c'est dire j'ai en net, en risque ajusté, en rendement ajusté pour le risque, j'ai une performance qui est extraordinaire parce que j'ai des placements qui produisent de l'alpha. Il n'y a pas un fonds de couverture, un fonds de privatisation qui ne s'est pas présenté aux caisses de retraite en disant « Nous sommes les créateurs d'alpha. Nous allons vous fournir de l'alpha. » Tous. Incluant, évidemment, tous ceux qui en envoyaient des fonds à Madoff. J'ai fait une présentation à des caisses de retraite la semaine dernière. Je présentais Fairfield, qui totalement présentait son produit comme étant créateur d'alpha. La limitation des risques, des modèles de risque, la notion de risque, l'incertitude. Là. Clair que les limites des modèles de risque basés sur l'historique en jouent un rôle. Les principes comptables de valeur au marché, ou de mark-to-market, ont amplifié, sans aucun doute, c'était un accélérateur du problème, même s'il y a des fondements valables pour dire on devrait avoir ce type de comptabilité, c'est plus transparent, etc. Il reste qu'en pleine crise, ça a eu un effet multiplicateur sur la crise, il n'y a aucun doute. Et puis, évidemment, les pathologies de la rémunération variable, et de ses liens avec des performances qui ne sont pas ajustées pour le risque et les difficultés de... Et dans tout le secteur, partout, pas juste dans les entreprises, les institutions financières, mais tout autour, tout ce qui tourne autour de ça. Rapidement, parce que je veux passer à autre chose, on s'entend sur ce qu'il faut faire. Je fais la liste rapidement parce qu'on s'y entend. On n'a pas fait grand-chose, mais on s'entend. Il faut parler des systèmes de rémunération. Il faut regarder le mark-to-market, la juste valeur marchande. Quand les transactions atteignent un certain volume, on devrait enlever les transactions de gré à gré, les forcer à être sur des échanges, ou on va avoir des clearing houses pour ça. Il faut revoir le rôle des agences de notation. Est-ce qu'on ne devrait pas homologuer les nouveaux produits et réglementer les fonds de couverture? Il y a bien des choses qu'on en arrive à homologuer quand il y a des risques. Ça parle un peu de ça. Certainement, il faut prévoir éliminer les ventes à découvert qui ne sont pas de vraies ventes à découvert, dans le fond, qui ne respectent pas les règles, etc. Et peut-être qu'il faut réévaluer l'attitude d'investissement des caisses de retraite. Qu'est-ce qui est fait un an après?
on essaie de refaire le système de rémunération assez peu. Évidemment, sauf où le gouvernement américain a mis des fonds. Sinon, la France et l'Allemagne essaient au G20 de pousser. Mais j'entends que cette poussée, c'est assez dangereux de jouer avec ça, la façon dont ils veulent jouer avec ça. J'entendais Sarkozy dire que ça devrait être relié à un pourcentage des profits ou des revenus. S'il veut avoir une rémunération pathologique, ça doit faire des trucs comme ça. C'est un peu dangereux de laisser ça dans des mains malhabiles, de comment on va fixer ça. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose de fait, mais on s'y interroge, et il y en a qui poussent fort. Mark-to-market, oui, là, ceux qui sont responsables des normes comptables, sous les pressions des banques d'ailleurs, ont arrivé à beaucoup relâcher ces règles-là. Volume de transactions de gré à gré passé sur des échanges, oui, c'est dans certaines propositions au Congrès, mais avant que ça sorte de là, quand ça va sortir, ça va être bien différent. Revoir le rôle des agences de notation, c'était très, très important à un moment donné. On n'en entend plus beaucoup parler maintenant. Homologuer les nouveaux produits. Il y a Andrew Lowe qui en parle encore, MIT. Là. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Moi, je pense que c'est... Je donne l'exemple. Je sais que l'exemple est... Bon, il n'est pas si farfelu. C'est... lorsqu'il y a des produits complexes, les agences qui doivent autoriser ça demandent à ceux qui proposent le produit de faire la démonstration de leur sûreté et non pas de dire on va attendre que les usagers aient essayé, voir si ça marche ou non. En tout cas, dans les avions, ils ne font pas ça. Et tant mieux pour nous. Si quelqu'un veut faire de l'innovation dans les avions, la FAA dit, mais si vous pensez que c'est bon, mais testez-le. Là, puis quand vous nous aurez des données qui nous rassurent sur l'effet, on vous autorisera. On vous donnera une homologation. Jusque-là, non homologue pas tant qu'on n'est pas rassuré. Mais ce n'est pas nous qui allons faire tout ça, c'est vous qui allez faire les tests. C'est vous qui proposez d'innover, de faire des ailes comme ceci plutôt comme cela, vous ferez la démonstration. Vous proposez des produits financiers qui vont faire toutes sortes de choses merveilleuses, etc. Faites-en démonstration. Ça, je pense que oui, effectivement, naked short selling et optic rule, tout ça va revenir, on va contrôler ça. Et ça, il n'y a rien qui se fait là-dessus, personne ne touche à ça. L'attitude d'investissement des régimes de retraite, des caisses de retraite. Mais tout ça, c'est bien, mais ce qui est plus important pour nous, c'est dans le fond, c'est plus fondamental. Le problème est ailleurs. La crise n'est qu'une manifestation, qu'un symptôme. En fait, ce qu'on a fait au cours des années, à partir de 80, 20 ans, 30 ans maintenant, on avait l'entreprise où il y avait un produit marché, un marché financier qui était assez peu pressant, un marché du talent qui n'existait très peu parce que c'était du talent interne. L'objectif, performance économique, assurance survie, un dividende stable, stabilité des emplois, enfin, etc. Un modèle qu'on a appelé loyauté, partie prenante, enfin, etc. Puis on a eu trois transformations. Les marchés financiers, bon, c'est vraiment un capitalisme financier. Et ça, c'est relié au phénomène des LBO qui ont entraîné les options, les institutions qui deviennent les actionnaires principaux des entreprises. L'objectif principal d'André de créer de la valeur devient celui qui domine. L'actionnaire veut être dominant dans l'entreprise comme partie prenante. Marché du talent, on voit les gens commencent à se déplacer d'une entreprise à l'autre. Il y a un marché émergent pour le talent. On commence à avoir une valeur. Les PDG, il y a un marché des PDG qui peuvent négocier leur valeur, ce qu'ils ont bien fait là, dans l'autre entreprise à côté. Évidemment, ça crée éventuellement un végétariat des dirigeants. Et le marché des produits et services qui est devenu beaucoup plus compétitif, beaucoup plus serré, beaucoup plus ouvert, déprivatisé, déréglementé, et tout ça, c'est bien. Notre argument, c'est que ce marché-là fait énormément pression sur l'entreprise. Et si l'entreprise échoue à satisfaire ce marché-là, c'est bien ainsi. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne réussit pas à rencontrer ce qu'exige, ce que veut, ce que veulent les acheteurs de produits, de biens et de services, eh bien, ce qui se produit cependant, c'est que la logique des marchés financiers est celle qui domine sur l'entreprise. Pendant qu'elle essaie de s'adapter à ça, d'avoir le temps de s'adapter à ça, d'essayer de faire ça, on a en même temps une pression qui vient sur l'entreprise, une pression qui veut des marchés qui veulent être dominants dans l'entreprise. Et en fait, on a inversé le modèle traditionnel. Toute la notion, c'est un modèle perverti. Le modèle traditionnel disait, écoutez, il y a des
les moteurs de la valeur, c'est le produit, l'innovation, la qualité, les coûts, une espèce de culture d'engagement dans l'entreprise, une rémunération équitable, etc. Les leviers financiers, bon, le niveau de la dette, politique de dividendes, bien sûr, ça l'ajoute, mais tout ça amène à un prix de l'action. En même temps, inversé. On a des objectifs de prix de l'action, on a des attentes trimestrielles et annuelles de croissance du bénéfice par action. Ça nous amène à des prises, des actions tactiques, financières, beaucoup, et stratégiques, tactiques, mais dans la mesure où ça nous amène à rencontrer les objectifs à court terme que l'on doit absolument rencontrer. Et ce n'est pas hypothétique. On a tiré les mauvaises leçons d'Enron. On a tiré des leçons de gouvernance d'Enron. Bon, il y en a. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce modèle inversé, cette inversion où les marchés financiers deviennent dominants. Je vous regarderai rapidement cet exemple. En décembre 1999, le titre d'Enron est à 37 $. Jeff Skilling, le CEO, présente donc le plan stratégique de l'entreprise au conseil d'administration. Et je vous fais grâce du plan, mais ça, c'est tiré directement. Les notes manuscrites, c'est les notes de Skilling lui-même, avec ses initiales dans le coin en bas. Avec ses initiales dans le coin en bas, à quelque part. Ici, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, on est à 37 $. Pourquoi on est à 37 $? Parce que les marchés s'attendent de nous à 12 % de rendement sur nos investissements additionnels et la croissance du bénéfice par action de 15 %. Si on reste là, on reste à 37 $. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on monte 20-22 % les rendements attendus et qu'on augmente les attentes du marché vis-à-vis de nous, notre bénéfice par action, à 20 %. Si on fait ça, là, le petit va s'aller autour de 74-77 $. Donc, il faut faire ça. Bon, ça semble très bien, ça. Mais comment je fais ça? Nos investissements ne rapportent pas pour 3 ans. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dilue notre bénéfice par action et ça risque de diminuer notre évaluation par les agences de notation. Essentiellement, il nous dit, il faut présenter une image comptable, financière de l'entreprise, qui n'est pas la vraie. Deux exemples d'entreprises sur des marchés bien américains. Entreprise de gestion des prisons. On n'a pas de ça, nous, ici, cotée en bourse. Comment maximiser la valeur pour les actionnaires? De juin 2002, le dollar canadien, le dollar américain à 1,56 $, avec les titres complètement à plat par la dure période boursière de 2002. S'il n'y avait pas été de cela, Bombardier, sa propriété de Boeing, CI, sa propriété de, je ne sais pas, d'ADS ou d'un autre, Magna, sa propriété de GM ou de Ford, ce serait des branches plates.
vais résumer très brièvement la carrière de M. Allaire. Alors, notre conférencier, M. Yvan Allaire, a su allier un brillant parcours universitaire et une fructueuse carrière dans le monde des affaires. Il détient un MBA de l'Université de Sherbrooke, un doctorat de la Sloan School of Management de MIT. Il est professeur émérite de stratégie à l'Université du Québec à Montréal et professeur associé à HEC Montréal. Il est actuellement président du conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance d'organisations publiques et privées, organisme parrainé conjointement par l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et HEC Montréal. Il est fellow de la Société royale du Canada. Par ailleurs, il a été cofondateur et président du conseil du groupe Secor. Il a été vice-président exécutif de 1996 à 2001 de Bombardier. Il a été membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que président de son comité d'éthique et de gouvernance. Monsieur Allaire est l'auteur de nombreux livres et articles portant sur la stratégie d'entreprise et la gouvernance. Son dernier ouvrage, paru cette année, rédigé conjointement avec la professeure Mihaela Firsirotu de l'Université du Québec à Montréal, l'ouvrage porte sur le capitalisme contemporain et le système financier et a pour titre « Black Markets and Business Blues ». Alors, sur ce, je cède finalement la parole à M. Allaire. M. Allaire? Ce n'est pas hypothétique. On a tiré les mauvaises leçons d'Enron. On a tiré des leçons de gouvernance d'Enron. Bon, il y en a. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce modèle inversé, cette inversion où les marchés financiers deviennent dominants. Vous regarderez rapidement cet exemple. En décembre 1999, le titre d'Enron est à 37 $. Jeff Skilling, le CEO, présente donc le plan stratégique de l'entreprise au conseil d'administration. Et je vous fais grâce du plan, mais ça, c'est tiré directement. Les notes manuscrites, c'est les notes de Skilling lui-même, avec ses initiales dans le coin en bas. Avec ses initiales dans le coin en bas, à quelque part. Ici, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, on est à 37 $. Pourquoi on est à 37 $? Parce que les marchés s'attendent de nous à 12 % de rendement sur nos investissements additionnels et la croissance du bénéfice par action de 15 %. Si on reste là, on reste à 37 $. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on monte 20-22 % les rendements attendus et qu'on augmente les attentes du marché vis-à-vis de nous, notre bénéfice, à 20 %. Si on fait ça, là, le petit titre va s'aller autour de 74-77 $. Donc, il faut faire ça. Bon, ça semble très bien, ça. Mais comment je fais ça? Moi, je fais ça rapidement, à court terme. C'est énorme, ça, de passer de 12 à 20 % de rendement et à 20 % d'attente de bénéfices par action. Comment je fais ça? Par des manœuvres financières. Il y a seulement des manœuvres financières qui me peuvent faire ça. Et c'est en même temps qu'on a ça. Une présentation de Fastar, qu'ils ont créé LGM Investment, qui est un truc interne. Et Fastar présente, et il dit pourquoi on a créé LGM Investment. Il le dit en toutes lettres, c'est une présentation en bonne et due forme. Écoutez, il dit, nos investissements ne rapportent pas pour 3 ans. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dilue notre bénéfice par action et ça risque de diluer et de diminuer notre évaluation par les agences de notation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des façons de déconsolider, sortir les actifs du bilan d'Enron et il faut trouver des structures qui accélèrent les profits futurs et les cash flows futurs aujourd'hui, qu'on puisse les reconnaître aujourd'hui. Ils vont venir demain, mais on va les reconnaître aujourd'hui. Et ça, LGM va nous aider. This lead, what if LGM? Wow. Essentiellement, il nous dit, il faut présenter une image comptable, financière de l'entreprise, qui n'est pas la vraie, parce qu'on a accéléré toutes sortes de choses qui vont venir le lendemain. Bon, ça, il devrait aller en prison pour ça, mais ce qui est toujours étonnant un peu, c'est que qui est présent à cette présentation? Les participants. Là, vous avez une grande firme d'avocats. Ça, évidemment, une grande firme de vérificateurs. Et voilà les investisseurs avec eux pour faire ces transactions-là. Vous avez la crème de la crème. Chase, GE, JP Morgan, Merrill Lynch, Eisner, Anne Rose, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, etc. Lui, il fait une erreur, il est là comme invité. Skilling.
mérite, selon moi, 2 ans de prison, pas plus, là, mais enfin, d'être là quand on dit ça. Mais ce qui me surprend, c'est que tous ces gens-là sont là et personne ne s'est inquiété. Personne n'a dit. Ça semblait tellement à l'époque, ou bien dit, on est en 1999, ça semblait tellement normal qu'une astuce financière acceptée par les comptables, à la fois ces comptables-là et ceux de Enron, qui fait en sorte qu'on monte des profits présentement reconnus, mais qui sont en fait des profits qu'on a rapprochés, et du cash flow qu'on a rapproché par des opérations de cette nature-là, ça semble tellement normal que les gens investissent dans ces structures-là pour créer ça. Quand même assez remarquable, et c'est ça le véritable. Pourquoi? Mais parce qu'on achète ce modèle-là. On a des objectifs, il dit, là, notre objectif est 74 $. Comment j'aurai 74 $? Bien sûr, stratégique et operational, mais ça, c'est long, ça. Augmenter de 12 à 20 %, c'est très long. Mais financial move and tactic est devenu là. Évidemment, le titre a chuté, mais il a atteint 90, on s'est même trompé. Il n'est pas sur le jeu de 74, il est à 90 $ le titre. Il faut se mettre à chuter. Et évidemment, au 31 décembre 2000, il était à 83 $. Les options à la valeur, là, 360 millions, 69 millions, etc. Et quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi Skilling est parti. Skilling annonce le 13 juillet qu'il part, ses options ne valent plus rien. Et il y a encore 1 940 000 actions, comme il y a beaucoup d'actions dans l'entreprise, ces gens-là. Mais ils le voient fondre. Si je pars, je peux vendre mes actions. Bien sûr, vendre l'action quand je suis CEO de l'entreprise, annoncer que j'ai vendu toutes mes actions. Mais le jour où je suis parti, je peux vendre mes actions. Et moi, je pense que même s'ils pensaient qu'ils n'avaient rien fait d'illégal, j'ai dit quand même, le titre continue à descendre, les marchés boursiers s'en vont partout, c'est la fin de la bulle technologique. Là. C'est juste en général, ça baissait, pas juste eux. Donc, je sors et je vais. J'ai perdu mes options, mais au moins, je ne perdrai pas le 1 240 000 actions. 2 exemples d'entreprises sur des marchés bien américains. Entreprise de gestion des prisons. On n'a pas de ça, nous, ici, côté en bourse. Comment maximiser la valeur pour les actionnaires? Hein? Je suis là. Comment maximiser la valeur pour les actionnaires? Beaucoup d'emprisonnement pour assurer la croissance d'entreprise. Longue peine de prison sans remise en liberté conditionnelle pour stabiliser la trésorerie. Je ne blague pas. Là. Alors, vous savez, vous avez 3 strikes and out, mandatory sentence guideline, some corruption of judge and public official. Il y a une cause récente, là, ils ont mis 2 juges en prison qui ont reçu 1,5 million pour donner à des juvéniles, enfin, des jeunes personnes, des peines de prison plus longues parce que ça, celui qui gérait le centre de détention trouvait que c'était une bonne façon de, justement de maximiser son cash flow. Ils ont reçu 1,5 million en pot de vin. Ils se sont fait prendre en prison, là, mais et j'ai, l'entreprise s'appelle Corrections Corporation of America, 226 fonds détiennent 83%. Ça, c'est typique, là, 226 fonds, 500 fonds, 400 fonds détiennent l'ensemble des entreprises, l'ensemble des actions. Et ça, ce que je viens de dire, je ne blague pas, je vous donne directement leur conférence avec les analystes. Les analystes, eux, sont au téléphone, ils veulent savoir comment vous allez créer la croissance pour le bénéfice par action. C'est la conférence du mois d'avril 2009, et là, a couple of metrics, en janvier 2008. Là, au fur et à mesure que les démocrates, et surtout qu'Obama a des chances de gagner, puis qu'il parle de réforme de santé, le titre chute. Je comprends que les autres titres ont chuté, mais ce n'est pas une entreprise financière. L'assurance santé, j'ai regardé les autres récessions, 81, etc., c'est relativement insensible. Ça chute pas comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est l'élection d'Obama. Puis, ça remonte parce que, on dit, écoutez, il est tellement pris par la récession, par la crise financière, etc., que ça va être remis au calendrier. Mais en février, il fait l'erreur. En février, il annonce qu'il y aura une réforme de la santé avant la fin de l'été. Le chute retourne. Et là, ça s'enlise. Et là, les problèmes sont nombreux. La réforme, ça va, vous voyez, le titre continue. On a déposé au Sénat une réforme. Enfin, le petit comité du Sénat a déposé une réforme qui est très bien vue par les gens de l'industrie. Le titre a sauté de 5 % monté de 5 % dans la journée d'hier. Et ce n'est pas les petites mesures. À 60 $, l'entreprise, en janvier 2008, vaut 24 milliards. Les options du PDG valent 250 millions. En novembre, à 20 $, ces options valent 32 millions. Le titre de l'entreprise vaut 8 milliards. Et là, ça remonte tranquillement. En septembre, c'est rendu à 28. C'est rendu à 31 aujourd'hui. 69 millions. Donc, ce n'est pas. Et
le programme de rémunération variable, il est exemplaire. Tous les experts de la gouvernance donneraient une cote A à ça. On demande ça de relier la performance, de relier la rémunération à la performance, des indicateurs quantitatifs, de création de valeur, etc. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait, absolument idéal. D'abord, one year shareholder return, rendement aux actionnaires pour un an. Croissance du bénéfice par action, aussi c'est quantitatif. Medical benefit ratio, ça, un beau néologisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la variable la plus critique. Bien sûr, les deux premières sont critiques parce qu'elles sont financières, mais celle-là, c'est une mesure opérationnelle. C'est quel pourcentage des primes que l'on reçoit, que l'on verse aux gens qui ont été malades. Plus ce ratio-là baisse, plus le titre monte. Si un trimestre, je dis que mon medical benefit ratio a augmenté, le titre va chuter. Et parfois, dans le cas de Signal, il y a des cas d'une augmentation de quelques points, le titre a perdu 20 %. C'est la mesure de performance. Et donc, je dois non seulement bien faire, mais je dois aussi faire mieux que mes concurrents, parce que le rang, c'est par rapport aux concurrents dans l'industrie. Si j'arrive au dernier rang et que j'ai amélioré le bénéfice, c'est passé, il faut que je l'améliore, mais mieux que mes concurrents. Et la croissance. Et donc, selon mes mesures à ce niveau-là, je vais obtenir un... Et comment je fais ça augmenter? Ils le savent, c'est fait partie du débat présentement. Comment je fais pour augmenter ça? Ben, vous voyez, la conférence octobre 2007, je l'ai pris avant la réforme parce qu'ils étaient plus. Maintenant, ils font attention. D'abord, ça commence toujours comme ça. Hein. Il n'y a pas un appel avec les analystes qui ne commence pas comme ça. C'est-à-dire, on est heureux de rapporter qu'on a augmenté de 15 % le bénéfice par action. Alors, c'est la première ligne de tous les appels conférences. Et three financial metrics, vous voyez, le medical benefit ratio, on est très content, 78,6 %, reflect a solid underwriting discipline. Ça aussi, c'est une phrase qui coule à la suivante, c'est-à-dire qu'on choisit bien qui on va assurer. Vous qui êtes dans l'assurance, vous savez ce que c'est, underwriting, c'est on choisit bien qui on va assurer. Et on essaie d'éviter d'assurer ceux qui sont coûte cher à assurer, etc. Donc, une logique que je me mets dans la peau de ces présidents d'entreprise, ces dirigeants d'entreprise, je la comprends. Je comprends fort bien que ce soit ainsi. La logique est... Et finalement, on termine toujours en disant, et puis, on s'attend à 15 % de croissance l'année prochaine encore. Parce qu'on sait que le titre dépend de ces engagements-là. On leur donne maintenant un guidance, 15 %. Et ça, c'est sa présentation récemment. Notre position, ça c'est Aetna, nous sommes bien positionnés pour proactively shaping market-based solutions. Ça veut dire qu'on met plein de l'argent chez l'OBS qui sont en train de nous aider à façonner ces projets de loi-là. And we're well positioned to capitalize on opportunities to cover the uninsured. Bien sûr, le projet hier, 55 %, dit oui, on va tous assurer, le gouvernement va subventionner les primes de tous les gens qui ne peuvent pas payer, on va les subventionner. Donc, effectivement, c'est extraordinaire pour les gens de l'industrie. A warped sort of capitalism. Le modèle américain, il est né là, mais c'est exporté partout. C'est exporté non seulement aux entreprises, mais dans tout le système. Il fait plusieurs choses. Les entreprises sont propriétés de toute une série de fonds, beaucoup ayant des perspectives à court terme, parce que eux-mêmes, ces fonds-là, ce qui est malheureux, ils ont des comptes à rendre annuellement au mieux. Et dans le cas des caisses de retraite, la pire invention qu'on puisse faire, on va les mettre en rang. Premier décile, premier quartile. Comment ça qu'ils sont dans le premier quartile, premier décile, etc. C'est exactement comme un score à la bourse. C'est exactement comme le prix à la bourse. Donc, chacun est là en disant, oui, moi, théoriquement, mes fonds, c'est pour 10 ans que j'investis, mes besoins sont à long terme, etc. C'est le cas des caisses de retraite en général. Mais pas si je vous mesure à chaque année, puis je vous compare, puis je vous mets à la place publique, puisque vous n'avez pas scoré aussi bien que tel fonds là-bas ou tel autre fonds. Parce que ça, c'est extrêmement pernicieux. Bien sûr, une grande pression des vrais marchés, parce que je considère les vrais marchés, le produit-service, une grande pression sur l'entreprise, gouvernée de façon fastidieuse par des indépendants, dirigée par une classe d'exécutifs qui est maintenant soudoyée par les options. Soudoyée pour faire qu'une chose, travailler que pour un seul groupe, les gens qui sont
à mes appels conférences et tous les investisseurs que je rencontre, tous les fonds que je rencontre, qui veulent que je crée de la valeur pour les actionnaires. Dis-moi comment tu crées de la valeur pour les actionnaires. Dis-moi comment tu crées de la valeur pour les actionnaires. C'est ça que je veux savoir. Rien d'autre, c'est ça que je veux savoir. Dis-moi comment. Et si je n'ai pas une bonne réponse à ça, si je ne suis pas articulé, comment je vais faire ça, finalement, je sors de là en disant, sell that, sell this company, there's nothing there. Et, en plus de ça, évidemment, entouré par toutes sortes de fonds spéculatifs qui jouent toutes sortes de parties. Ça, maintenant, l'innovation financière, c'est aussi de jouer des games autour des entreprises, autour de sa dette, vous avez vu avec les CDS, etc. Et évidemment, autour de vendre à découvert, pas vendre long, vendre... Enfin, toute une série de... Et moi, je suis au cœur de ça comme dirigeant d'entreprise. Et si on ne comprend pas que le système fait que le dirigeant d'entreprise dans ce type d'entreprise-là, heureusement, au Canada, on n'a pas tout à fait ça, puis au Québec non plus, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des sectionnaires de contrôle qui peuvent, jusqu'à un certain point, dire, vous savez quoi, vous ne ferez pas pression sur moi et vous ne ferez pas vendre l'entreprise. Vous n'avez pas les moyens de me faire vendre l'entreprise. Vous pouvez bien amener des hedge funds tant que vous voudrez pour venir faire des pressions. Ils ne contrôleront jamais l'entreprise. Ils le savent, d'ailleurs. Vous voyez, les hedge funds au Québec ne sont jamais attaqués aux entreprises, aux Bombardier, CGI, etc. Ils savent bien que c'est une perte de temps. Ils ne perdent pas leur temps avec ça. Ils ne perdent leur temps. Ils ne perdent pas leur temps. Ils agissent dans l'entreprise. Ils savent qu'ils peuvent influencer les gens qui sont là. Moi, je pense qu'il faut valoriser des formes de propriété pour ramener un certain niveau de loyauté, d'engagement dans et autour, dans l'entreprise et autour de l'entreprise, certaines perspectives à la gestion et une considération des parties prenantes qui donnent à l'entreprise sa légitimité. Un, change the ownership structure of business, changer la structure de propriété des entreprises, changer la rémunération variable, j'y reviens, augmenter la légitimité, la crédibilité de la gouvernance des entreprises. C'est un thème cher à l'Institut. Établir des limites à la latitude d'investissement des caisses de retraite. Rendre les conseils responsables de la richesse à long terme des entreprises, donner-leur le pouvoir de dire non. Ce qu'on n'a pas au Canada, ce que beaucoup d'États américains ont, ce qu'on n'a pas au Canada. Imposer une réciprocité, des règles de réciprocité aux foreign takeover, aux prises de contrôle étrangères. Mais je pense que c'est important, l'hypothèse fondamentale de la démocratie d'entreprise, qui était des actionnaires qui sont là depuis un bon moment, qui détiennent leurs actions, qui vont les voter, etc. On l'a dit, c'est transient share flippers, speculators and game players. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme les propriétaires légitimes de l'entreprise publique? Les touristes ne votent pas, puis les parieurs ne sont pas propriétaires du casino. Essentiellement, quand on fait ça, c'est comme si les touristes avaient le droit de vote au Canada. Touristes, ça donne à être ici le jour de l'élection. Et c'est comme si les casinos, les gens qui vont au casino, étaient propriétaires du casino. Nous avons proposé, je dis nous parce que c'est l'Institut, une période de détention d'un an avant de voter les actions. Ça fait longtemps qu'on pousse ça. Je dis, les gens des grands fonds, les Claude Lamour, ils ont dit ça, c'est la meilleure recommandation qu'on puisse faire. Parce que ça, ceux qui veulent entrer dans les entreprises, essayer de faire pression rapide, essayer d'acheter et voter. Vous savez, la date, c'est le 31 mars. Les détenteurs de 31 ont le droit de voter au mois de mai. Alors, autour du 31 mars, il y a toutes sortes de games qui peuvent se jouer. Essayer d'acheter le vote seulement et de pouvoir faire pression à l'Assemblée des actionnaires. On pourrait penser à d'autres mesures. Moi, je pense qu'ailleurs, il y a ça. Dividende de loyauté, après 2 ans, on augmente les dividendes. L'entreprise devrait être libre de faire ça. Pas obligée, mais elle devrait être libre de faire ça. Encourager la présence d'entrepreneurs fondateurs, d'actionnaires significatifs avec les classes d'actions à vote multiple. Les investisseurs institutionnels étaient contre ça mortellement contre ça. Là, ils s'adoucissent un peu, ils commencent à comprendre que peut-être il y a un intérêt à cela. Et si les actionnaires minoritaires sont bien protégés, il y a toutes sortes de moyens, d'ailleurs au Canada, ils sont assez bien protégés, qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Et je vous dis, entre nous, en juin 2002, le dollar américain est 1,56 $, avec les titres complètement à plat par la dure période boursière de 2002, s'il n'y avait pas été de cela,
Bombardier, sa propriété de Boeing, CI, sa propriété de, je ne sais pas, d'ADS ou d'un autre, Magna, sa propriété de GM ou de Ford, ce serait des branch plants. On aurait fermé tout le reste, on aurait une usine à Saint-Laurent, etc. C'était des bargains. C'était de véritables bargains à ce moment-là. De véritables bargains, ça a été irrésistible. Irrésistible. Et les actionnaires, là, dispersés des grands fonds, 500 fonds, qui sont propriétaires de Bombardier, on dit, le titre est rendu à 3,50 $, on va vous donner le double, 100% de rendement. Il y en a qui viennent d'acheter à 3,50 $. Ce n'est pas les gens qui les ont achetés à 20 et disent à 3 $, je perds beaucoup d'argent. Non, non. Moi, je l'ai acheté, là, puis je fais 100%, je fais 40%, whatever. Irrésistible. Essayons de garder les compagnies privées privées. Je pense qu'on se rend compte que toutes les compagnies publiques ont certains avantages, mais de plus en plus, il y a des coûts énormes, des coûts de gouvernance, des coûts de toute nature. Laissons ce qui est risqué dans des partenariats privés plutôt que les, en fait, les entreprises publiques côté en bourse. C'est très dangereux de laisser les Lehman Brothers et tous les autres de l'entreprise publique. C'était une erreur importante. Et moi, je pense qu'on doit, dans les écoles ici, on doit parler un peu plus, je ne sais pas, peut-être au HEC, je ne peux pas parler d'HEC, mais on doit quand même parler un peu plus de comment ça marche les coopératives qui fonctionnent bien. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent très bien. Bon, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu hors de notre. Je suis le premier coupable de ça, d'ailleurs, coopérative. Pas, mais je constate que c'est une lacune de ma part, en tout cas. Et puis, il faut regarder le rôle des sociétés d'État. Elles aussi, on a appris comment ça marche. Il y a plein d'erreurs partout dans ça. Là. Il y a des gens qui font des erreurs, mais on a appris comment ça marche. Je trouve que certaines sociétés d'État demandent une grande maturité politique pour que ça fonctionne bien. S'il n'y a pas de maturité politique, bien là, ça devient facilement un enjeu partisan. Et je ne sais pas où on devrait classer le Québec là-dessus, mais c'est sûr que ça demande la maturité politique. Sinon, je pense qu'on joue mal. Mais il y a un rôle à jouer, il y a un rôle important à jouer. La rémunération, ça c'est le plus controversé de tout ce qu'on a à dire. Là. Je vous le donne en mille. On a tourné ça de tous les bords, de tous les côtés. Pensez bien que ce n'est pas naturel pour moi de proposer ça. Là. Est-ce qu'on devrait faire si indexer les options, machin, regardez tout ça. Finalement, j'aurais dit qu'effectivement, c'est un nœud gordien. Un nœud gordien, hein, comme vous savez, il y a une façon pour le trancher. Et je pense qu'il faut éliminer les options. Une stock related. Si vous remarquez, c'est pas, on pense que les options, ça a toujours été, si vous remarquez, hein, 94, ça commence à être significatif, le tableau, premier tableau que je vous présente, troisième tableau, 94, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que c'est significatif, les options. Dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, moi, j'ai le sentiment qu'on va se demander comment ça marchait déjà, ça? Les gens recevaient des options, de payer avec des options. On va trouver ça un peu drôle, comme façon. Parce qu'il y a toutes sortes de. Je t'empresse, là, je ne veux pas. Mais il y a toutes sortes de difficultés, savoir c'est imprévisible la valeur d'une option. C'est ça qui est c'est imprévisible. Quand je la reçois, je ne sais pas combien ça va. Alors, je ne sais pas combien je peux mettre Black-Scholes là-dessus, là, mais ça, c'est hypothétique. Là. Mais la vraie valeur, là je ne sais pas. Et c'est ça qui fait que je suis au service exclusif des actionnaires. Et les actionnaires ne sont plus des actionnaires d'antan stables qui sont là, qui finalement croient à l'entreprise et qui restent avec l'entreprise, etc. Ce n'est plus ça. C'est des gens qui sont là à court terme, qui font pression sur moi pour que je fasse, je crée de la valeur. Et c'est comme ça que je vais devenir plus riche parce que je suis payé grandement, largement par ces options-là. On est très fiers de ça, de dire 90% de la rémunération des dirigeants est maintenant à risque. Qu'est-ce qu'on veut dire? Une grande partie de la rémunération vient des options. 90% on est des options. C'est bon. Ben, c'est bon. Ça aussi, c'est très controversé. Je veux faire contre-cœur. Total compensation, il n'y a plus d'options. Là. C'est salaire et boni et régime de retraite, un maximum de 100 fois la médiane de l'entreprise. Rendre l'excès non déductible d'impôts et sujet à approbation pour les actionnaires. Vous avez vu que si on enlève les options, on était autour de 90-91, même dans les années 2000-2001. Hein. C'était 100 fois. On était à 25 dans les années 70, on peut retourner à ça. Là. Le marché s'est élargi, etc. Et il y a une certaine mobilité, il y a un certain marché secondaire, c'est vrai. Mais passer de 25 à 100, il me semble que c'est déjà faire un bon bout de chemin. Et ça donne pas mal de latitude. Et je pense que des conseils d'administration, je ne sais pas si on peut faire plus que ça, mais faire en sorte que les clauses de changement de contrôle ne font pas en sorte que les dirigeants et les membres des conseils, mais surtout les dirigeants, s'enrichissent en vendant l'entreprise. Ça, c'est un phénomène absolument extraordinaire et pernicieux.
Ça, c'est très controversé. Moi, je pense que les caisses de retraite ont été Frankenstein du monde de la finance. Elles ont fourni les fonds qui ont permis aux fonds de spéculation de tout à capitre de devenir des monstres par leur taille, par leurs innovations financières. Vous avez vu 100 caisses de retraite, relativement petits. Ils joueraient leur rôle, mais c'est un petit rôle. Là, c'est des rôles importants. Moi, je pense qu'il conviendrait de placer des balises du type de suivant. Aucun placement n'est permis dans un fonds qui demande plus de 2 à 3 % en frais de gestion fixe et variable. Autrement dit, c'est le 2 et 20 %. Là. Essentiellement, les fonds, couverture, fonds de privatisation, c'est 2 et 20 %. Remarquez qu'avec la crise, maintenant, ils vont diminuer beaucoup. Donc, déjà, un bon bout de chemin qui va se faire. Plus personne ne veut payer 2 et 20 %, mais ça va revenir. Et je pense que c'est cette norme de 2 et 20 % en vous donnant de l'alpha. Les études montrent que c'est discutable, d'ailleurs. Mais enfin, supposons qu'il y a de l'alpha. Qu'est-ce qu'on perd? C'est sûr qu'on peut perdre du rendement avec ça. C'est sûr qu'on peut perdre du rendement avec ça. Un certain rendement à court terme, à long terme, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on veut permettre toute latitude, donner toute latitude de faire et de créer effectivement ce genre de joueurs, leur donner les munitions pour jouer des rôles qui sont en fait en beaucoup de fois destructeurs, en beaucoup de cas destructeurs. Bon, je pense que les institutions ont un rôle à jouer. Les caisses de retraite ont d'abord une responsabilité de rendement à risque pour leurs bénéficiaires, leurs contributeurs, mais il y a quand même un pool de capital extraordinaire qui doit jouer un rôle dans une société à la mesure de ce que ces gens-là peuvent jouer. Ils devraient limiter leur hostilité à ça, et je pense qu'ils ne doivent pas à eux-mêmes, les grandes institutions de placement, jouer le rôle de la rotation des titres, de la volatilité, d'être parmi ceux qui augmentent le rythme de rotation des titres. Et finalement, au Canada, c'est les agences, les commissions des valeurs mobilières qui font que les conseils sont limités dans leur capacité de traiter avec une tentative de prise de contrôle de l'entreprise. Je pense qu'on devrait s'ajuster aux décisions de la Cour suprême elle-même, qui dit effectivement les conseils ont une responsabilité envers l'entreprise et non pas envers l'actionnaire seulement. Conclusion. Le bien-être de la société et la vigueur de l'entreprise sont plus importants que la création de valeur pour les actionnaires et les supposés avantages des innovations financières. L'entreprise n'est pas qu'une vulgaire denrée assujettie au calcul des traders, mais un système social à finalité économique. Les conseils d'administration sont responsables fiduciaires envers l'entreprise, ainsi qu'une responsabilité morale envers les parties prenantes autres que l'actionnaire. Et les gouvernements ont l'autorité et le devoir de façonner les contextes économiques, financiers et industriels de la société, quoi qu'ils en pensent, alors qu'ils en fassent bon usage. Merci. Écoutez, merci beaucoup, M. Allaire, pour cette excellente présentation. Écoutez, nous passons maintenant à la période d'échange. Kimon Velasquez, ancien ambassadeur du Canada à l'OCDE et président de la Nouvelle École d'Athènes. Je voudrais féliciter Yvan pour ce remarquable plaidoyer pour un nouveau capitalisme. Au niveau du diagnostic, je pense qu'il est tout à fait impeccable. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, à la fin de l'exposé, tu as bien identifié quelques objectifs à accomplir, mais le comment est la partie la plus difficile. Le comment est la partie la plus difficile, et je parle un peu comme un ancien ambassadeur à l'OCDE. À qui s'adressent ces recommandations? Est-ce qu'ils s'adressent au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada? Le grand problème, et c'est peut-être ce qui manque encore dans l'analyse, c'est la mondialisation. La mondialisation est en train de tout changer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de commandant en chef de l'économie. Monsieur Obama ne l'est pas. Monsieur Roosevelt l'était peut-être à l'époque des années 30. Mais aujourd'hui, on n'a pas de commandant en chef. On a des structures qui sont relativement faibles, le G20, G8, OCDE, ainsi de suite. Alors ma question, Yvan, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour traduire ces très très bonnes idées en action? À qui faut-il adresser ces recommandations? Et est-ce que la structure du système international est compatible avec ce nouveau capitalisme? Ou faut-il mettre dans le to-do list
une modification justement de cette structure internationale. Merci. Écoute, Kimon, d'abord, les recommandations s'adressent bien sûr au gouvernement, dans certains cas du Québec, du Canada, aux commissions des valeurs mobilières. La première recommandation, elle demande une toute petite modification à la loi sur les entreprises, la loi canadienne des entreprises, c'est-à-dire de permettre aux entreprises, de distinguer ou donner des avantages différents à une même classe d'actions si ces avantages-là sont reliés à la durée de détention de l'action. On n'a pas le droit de faire ça présentement. On n'a pas le droit d'avoir de distinction au sein d'une même classe d'actions. Ça permet de dire, oui, on va pouvoir donc exiger un an de détention avant deux, on pourrait changer, on pourrait avoir des dividendes de loyauté. Tout ça n'est pas permis selon le texte de la loi actuelle des compagnies. Ça, c'est relativement simple. C'est politique, mais c'est relativement simple à faire. Je suis un peu, c'est ainsi pour d'autres, les commissions des valeurs mobilières, on sait de qui elles relèvent. Elles relèvent des provinces pour le moment, j'espère que ça restera ainsi. Et donc, elles ont un rôle à jouer. C'est elles qui ont fait beaucoup de pression pour qu'on s'ajuste rapidement. S'il y a une offre qui est faite à une entreprise, ben on dit, voilà, le conseil essaye d'obtenir une meilleure offre. Voilà. Et donc, le conseil fait ce shopping et puis obtient une meilleure offre et puis dit aux gens, voilà, c'est la meilleure offre que l'on a. Maintenant, on vous la propose, mais au moment où ça arrive, c'est déjà dépendant des situations. Ça peut être 40 % de fonds de couverture qui sont maintenant les actionnaires. Vous avez juste regardé le rythme de changement des actions dans le camp dès que l'offre est venue. Vous regarderez ça. C'est à peu près 30 à 40 des actions qui ont changé de main, au-delà du volume habituel de l'ALCA. Je ne suis pas trop d'accord que les gouvernements d'un pays donné ont perdu toute leur capacité à cause de la mondialisation, etc. Regardez, le système bancaire canadien est bien différent du système bancaire américain. On est à côté, on dit qu'on ne peut jamais faire ça. Et pourtant, à cause de cela, on s'en est bien tiré. On a de grandes banques à charte à travers le Canada. Il y avait des banques très régionales. Bon, éventuellement, ils ont changé, mais on a des organismes de réglementation très intégrés, l'OSFI, enfin le bureau, le surintendant des institutions financières, etc. On a donc un certain nombre de mécanismes qui nous ont isolés de l'impact international américain sur le système financier canadien. Relativement, et d'ailleurs, on a été frappés quand nos banques, les autres, allaient jouer dans les plates-bandes américaines dans ce genre de trucs-là. Et donc, je pense qu'il y a une petite... c'est exagéré de dire que les pays ont perdu leur capacité d'intervention. Je pense qu'ils doivent avoir la volonté de dire, nous, c'est ainsi que ça se fait. Par exemple, on a des actions à votre multiple ici, il y en a relativement peu aux États-Unis. Il y en a plus qu'on pense, en fait, mais enfin, actions à votre multiple. Je ne sais pas si les investisseurs américains aiment ça ou pas. Moi, je sais que Bombardier avait énormément d'investisseurs américains, de fonds américains qui étaient dans Bombardier. Ça ne dérangeait pas. En autant qu'il y avait cette garantie, qu'il y avait ce qu'on appelle le coattail, ce qui protège les minoritaires contre une offre. De toute façon, les actionnaires de contrôle ne peuvent pas recevoir une prime qui n'est pas disponible aux autres actionnaires. Enfin, détails techniques, mais essentiellement, on est capable de façonner, ça je suis personnellement capable de façonner un environnement, un contexte pour l'entreprise qui est propre, qui est un modèle dit canadien ou québécois, et qui aurait des propriétés différentes d'ailleurs, sans que on soit immédiatement soumis à la dictature de la mondialisation. Merci. Écoutez, dans les caisses de retraite, parler des caisses de retraite, puis en fait, on a trois, ou on peut parler de quatre variables. Il y a la contribution employeur, contribution employé. Il y a naturellement la rente qui va être payée. Et il y a la grande variable qui est celle du rendement. Et les hypothèses qui sous-tendent les caisses de retraite pour qu'on n'ait pas de grandes contributions, pour qu'on ait la meilleure prestation possible, font souvent en sorte que l'attente de rendement, donc le mandat qui est confié au gestionnaire, est un mandat audacieux et qui amène un assez haut niveau de risque dans les caisses de retraite. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que, à mon avis, on reporte à plus tard, on demande beaucoup de risques et on reporte à plus tard le problème quand on fait ça. Oui, il n'y a rien de plus intangible que le risque. On a beau avoir des mesures de risque. En tout cas, l'incertitude est certainement intangible. Ce qui me frappe à cette conférence, pour m'amuser un peu, conférence aux caisses de retraite, j'ai regardé un certain nombre de pays, au lieu de comparer des caisses de retraite, c'est toujours un peu difficile, un certain nombre de pays en disant quels sont ceux qui ont le mieux fait l'année dernière, enfin, l'année 2008, et quels sont ceux qui ont le mieux fait sur 10 ans. 2008, comprend que... Et
le pays qui a mieux fait l'année dernière est aussi celui qui est arrivé troisième sur les pays de l'OCDE pour 10 ans, incluant 2008, et c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, 65-70% de ses caisses de retraite sont en obligation. C'est un diktat là-bas. Bon, je suis en train de vous dire qu'il faut être en obligation, là, croyez-moi. Là. Je vous dis simplement, je constate qu'un fonds qui n'a rien d'un placement alternatif, parce que c'est là que ça se joue, action, placement alternatif, obligation, presque pas de placement alternatif, et a une telle performance sur 10 ans, donc je comprends que sur 10 ans, ceux qui ont le plus mal fait, les États-Unis, mais d'autres pays pour d'autres raisons, mais les États-Unis, très mal fait, avec beaucoup de placements alternatifs, 20% des régimes de retraite en placements alternatifs. Et ainsi donc, en 2007, là je suis certain qu'en 2007, l'Allemagne aurait scoré bien derrière ce pays-là, c'est facile à voir. Mais sur 10 ans, il est arrivé cette crise. Est-ce que c'est tellement atypique qu'il faut oublier ça? D'ailleurs, c'est un problème pour les gens qui font de la gestion des risques. Est-ce qu'on oublie 2008? Tellement volatile, est-ce qu'on l'oublie, puis on regarde avant et après, là, mais on oublie 2008. Je pense qu'il y a un danger à vouloir gérer au-delà, à prendre des risques au-delà de notre capacité de les comprendre et gérer. Et encore une fois, la complexité d'un fonds, d'une caisse de retraite, d'une entreprise d'ailleurs, devrait être limité par la capacité de son conseil à gouverner cette complexité-là ou ce type de produit-là. Et je disais à cette caisse de retraite, écoutez, prenez votre conseil ou votre comité de placement, mettez-les en ordre. S'ils sont 9, mettez-les en ordre, celui qui connaît le plus le domaine à celui qui connaît moins le domaine. Prenez le numéro 5, qui est juste la médiane, et dites-vous, ça, c'est la véritable compétence du conseil. Pas suffisant d'avoir une personne en haut qui connaît beaucoup ça et tous les autres qui ne connaissent pas, parce qu'il va se faire éventuellement, dans la brouhaha des décisions, elle va se faire. C'est la médiane de compétences du conseil qui est importante. Et si cette médiane-là est telle que je faisais une présentation en bonne et due forme d'une stratégie avec beaucoup d'alpha et une performance extraordinaire, et je leur disais, si vous êtes assis là et vous n'êtes pas capable de voir c'est quoi la stratégie que vous propose, au-delà de vous montrer des résultats qui semblent absolument remarquables, et que vous attachez aux résultats en disant « c'est bon », je vous dis que vous êtes en danger. Effectivement, dans ce cas-là, c'était Madoff, donc c'est certainement en danger. Mais ça aurait pu être un autre cas. Oui. Daniel Payet, professeur associé HEC. Je prends au bon la volonté de dire qu'il faudrait qu'on modifie un certain nombre de lois comme la déclaration d'un dividende de fidélité, le nombre de votes. Est-ce qu'on ne devrait pas aller, c'est-à-dire accompagner ces gouvernements-là qui imposeraient ça de leur rôle de réglementateur et législateur en disant, et en même temps, ces gouvernements-là qui ont beaucoup de fonds, soit par des fonds de retraite, on pense aussi au Québec, on pourrait associer pendant la période de transition une certaine disponibilité de capitaux en disant ça ne va pas brasser parce qu'on a quand même une série de capitaux et que si des investisseurs ne viennent plus à votre capital à cause de ces nouvelles restrictions-là, il y a toujours le capital autochtone, d'une part. Et d'autre part, j'aimerais savoir ce que vous pensez aussi du rôle éventuel des banques centrales. Est-ce que les banques centrales, qui devraient quand même exercer leur rôle de banque centrale, doivent intervenir là-dedans? Parce que c'est quand même une feuille de route importante à faire. Oui, ben écoutez, sur les banques centrales, elles ont, dans nos propositions, elles interviennent peu. Je ne sais pas qu'elles n'ont pas un rôle important. Elles ont un rôle important à la gestion macroéconomique, bien sûr. Elles interviennent peu parce qu'on essaie, nous, de montrer comment changer la donne pour les entreprises et donc pour le système, par l'entremise, par le truchement de cela. Quant à utiliser
les fonds, je ne crains pas trop, vous savez, ce qui est proposé ici est radical dans certains cas. Ça n'arrivera probablement pas. Ou si ça arrive, ça va arriver, éventuellement, ça va sembler évident. Là, toujours, à un moment donné, il y a des choses qui sont évidentes et ça se produit. Les quelques premières propositions ou suggestions, la première, je n'y vois pas d'impact, sauf une reconnaissance. D'ailleurs, les grands fonds aiment ça. Claude Lamoureux me dit qu'il a présenté ça, puisque Claude est sur le conseil de l'Institut à Tokyo. Tous les grands fonds étaient là et se préoccupaient beaucoup parce qu'ils voient bien comment les fonds de couverture leur causent des problèmes aussi. Parce que c'est quand même des joueurs qui jouent une partie très sauvage et très différente de la leur. Et il dit, mais voilà une proposition ici qui a été faite, là, M. Haller, l'Institut, on pourrait en faire un an. Il dit, ça a été un accueil presque triomphal pour Claude là-bas. Voilà comment on peut les mettre au pas. Parce qu'ils savent bien que s'ils n'ont pas ce levier-là pour faire pression là, sur l'entreprise, c'est, pour eux, un an, c'est énorme. Hein? C'est de la longue durée pour eux. On dit un an, c'est pas pour prendre un questionnaire. Moi, j'achète une action aujourd'hui, je vais voter dans un an. Ça ne me dérange pas beaucoup, mais pour des fonds qui ont l'intention d'agir, un an, c'est une éternité pour ce type de fonds-là. Donc, et ce n'est pas, je ne vois pas d'impact négatif, au contraire, je pense que ce serait assez positif. Je ne vois pas qu'on ait besoin d'avoir recours à des grands fonds pour appuyer cela. Je pense que les grands fonds pourraient intervenir plus, de dire là, finalement les options, peut-être que c'est le temps de dire bye-bye à ça. Là, les grands fonds, pour le moment, ils se contentent de dire on serait content d'avoir C on P. C'est-à-dire avoir un vote consultatif sur l'amélioration. Ça, c'est une farce finalement, ça, c'est une blague. Ça n'ajoute rien et ça ne changera rien. Mais je pense que le jour où les grands fonds diraient finalement, peut-être que ne faut pas prendre pour acquis que les options, c'est une donnée de la nature, ça descend des tablettes. Ça a à peine 15 ans. Ça a à peine 15 ans. Et je vous dis, dans 15 ans, là, vous trouvez ça drôle. C'est vraiment étrange parce que ça. Vous êtes incapable de relier véritablement. Vous avez beau essayer, je vais tourner ça tous les bords, tous les côtés, croyez-moi. D'essayer de modifier, de les encadrer, de trouver comment. Il y a des choses intéressantes, mais ça ne résout jamais le problème que je fais des gens soudoyés pour travailler que pour un seul groupe. Et maintenant, c'est un groupe qui veut des rendements immédiats et à court terme, en même temps que les marchés internationaux font pression, marchés bien sérieux. Et je peux m'ajuster, m'adapter, ça me prend une stratégie à long terme. Je peux m'ajuster au contexte international. Je ne peux pas faire ça en 48 heures, en 3 mois. Et je veux travailler avec les employés pour faire ça, mais la pression est sur moi. Comment tu vas régler, comment tu vas produire dans 3 mois les résultats? C'est ça qu'il faut briser, c'est ce lien qu'il faut briser. On ne le brisera pas tant que les dirigeants, ils sont humains, on est tous pareils. Je me mets à leur peau, je ne critique pas les dirigeants, moi je critique le système. Tant qu'on sera ainsi, ils vont agir ainsi. Et encore une fois, si on avait des bénédictins à la tête des entreprises, mais en général, il y en a assez peu. C'est peu de gens qui entrent dans l'entreprise en faisant le vœu de pauvreté. Alors, donc, il faut s'attendre à ce qu'ils soient mobilisés par la rémunération. Oui? Bien, Robert Lacroix, évidemment, on a eu énormément d'innovations sur le marché financier. On a eu des produits de plus en plus complexes. Je pense qu'en soi, l'innovation n'est pas nécessairement mauvaise et la complexité n'est pas nécessairement rejetée. Et ma crainte dans une crise majeure, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau. Et je me demande si une des composantes d'explication de cette crise-là, qui n'est pas la seule, bien loin de là, c'était l'incapacité des organismes de réglementation de suivre l'évolution, précisément, de ce marché financier dans sa complexité et dans ses innovations. C'est-à-dire, eux n'avaient pas cette capacité-là. Et oui. C'est dire on va réglementer, c'est bien beau, mais quand les gens qui réglementent ne comprennent même pas ce qui se passe sur le marché ou sur les produits, c'est dramatique. Et si, évidemment, si on arrête tout parce que ceux qui réglementent ne comprennent pas ce qui se passe, ça peut être dramatique pour l'économie aussi. Donc, en d'autres mots, si on voulait réglementer l'électricité avec des gens qui ne connaissent que la lumière venant des chandelles, on aurait un gros problème. Alors, c'est un peu ça aussi. Mais on peut gérer cette situation. Ce qui me frappe cependant dans cette crise, c'est que, certains ont dit, 1997, il faudrait qu'on
qu'on puisse réglementer et suivre ces dérivés de crédit et les autres produits dérivés qui sont de gré à gré, over the counter. Il s'est levé un lobby immédiatement à Washington, féroce, massif, pour faire ça. Rubin est embarqué, Greenspan est embarqué, ils ont tout de suite sorti une lettre disant « c'est la plus mauvaise idée qu'on a jamais entendue, il ne faut jamais faire ça ». Et on fait passer une loi pour dire « jamais ça va être réglementé ». Une loi pour dire qu'on ne réglemente pas. Extraordinaire. Donc, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas les produits dérivés. Non, non, non. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas qu'on touche à ça. C'était bien comme ça. Deuxièmement, en tout temps, la capacité de développer des produits complexes va toujours être en avance sur les gens de la réglementation. Je me rappelle que Bernanke arrive comme président de la Banque centrale, enfin, la réserve. Il fait venir des gens de hedge fund pour lui expliquer des produits. Donc, il est obligé de faire venir les gens de hedge fund pour dire comment ça marche, cette affaire-là. Et il l'admet lui-même. Il va lui expliquer comment ça marchait, leur affaire. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux quand les fabricants de produits eux-mêmes viennent expliquer comment ils marchent, ces produits-là. Et on dit, on ne sera jamais capable, il y a une telle asymétrie d'argent. Et c'est clair, il y a une asymétrie entre l'intelligence chez Goldman Sachs, JP Morgan et les autres, et l'intelligence des agences de notation. Ça, il s'agit d'avoir traité avec elles pour le savoir. Il y a une telle asymétrie qui fait que sur les produits complexes, essentiellement, ils prennent les modèles de JP Morgan et de Goldman Sachs pour évaluer les produits. C'est extraordinaire, je ne l'ai pas fait ici, mais j'avais un grand tableau montrant comment DBRS évaluait les CDO. CDO synthétique, c'est essentiellement, et je montre à côté comment JP Morgan présentait le pricing de ça, c'est la même chose. Essentiellement, c'est le modèle de JP Morgan qu'ils ont pris pour faire cette évaluation-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les ressources, les moyens, les compétences intellectuelles et les motivations. Mettez-vous, je pense que je donne un exemple, c'est comme si la FAA, qui a plein d'ingénieurs d'une bonne qualité, mais n'a pas les ingénieurs de Boeing et tout ça, qui disaient, bon, maintenant, nous, au Boeing, on va faire des choses, maintenant, on va vous laisser évaluer ça. Évaluer ça à FAA, ce qu'on vous propose. Nous, on pense que ça marche, puis c'est à vous de nous dire, hein? C'est à vous de nous dire si ça marche. Nous, on pense que ça marche. Ce serait dangereux, parce que, peut-être pas dangereux dans ce cas-là, des avions, pour que ça tombe personne, là, mais dans les produits financiers, c'est dangereux de dire, je vous fais ça. Et il y a eu une asymétrie, et en même temps, il y avait une volonté, durant ces années-là, une volonté de ne pas réglementer. Ça, c'est le pire de tous, là. Qu'on a même fait perdre la job à la femme, à la dame qui a proposé qu'on... De toute façon, Clinton, là. C'est Clinton, d'ailleurs. C'est même pas nos amis. Bush Clinton qui l'a sorti de là. Pourquoi elle avait osé dire qu'on devrait réglementer? On n'a pas réglementé. On devrait avoir le droit de regarder, nous, le Commodities Exchange, on a le droit de regarder ça. Jamais. Jamais touché. Dernière question. Je ne dirai pas mon nom craignant une réaction hostile de certaines personnes de cette salle. Monsieur Allaire, j'ai lu votre livre avec une religieuse attention. J'ai écouté votre conférence avec une non moins religieuse attention. Et vous avez avancé des solutions pour la réforme d'un nouveau capitalisme. Je constate cependant avec regret des réformes, d'ailleurs, qui sont de bonne venue. Je constate cependant avec regret que vous n'avez pas touché le rôle des conseils d'administration. Or, il est de notoriété publique, sans offenser personne, qu'une bonne majorité, une bonne partie d'entre eux, je ne dirais pas une majorité, sont habituellement les chambres d'enregistrement de la volonté du chef de la direction, pour ne pas dire les tapis et les carpettes anglaises des volontés managériales. Or, dans votre réforme, qu'est-ce que vous voyez comme le rôle du conseil d'administration, puisque les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise et leurs mandataires sont les conseils d'administration? Écoutez, oui, il y avait dans la liste d'ailleurs d'avoir des conseils d'administration qui sont légitimes et crédibles. J'ai sauté parce que le terme. Dans l'ouvrage, comme vous savez, vous l'avez lu, on parle beaucoup du mirage de la gouvernance, cependant. Je pense qu'il faut. Il faut être clair sur la gouvernance telle qu'on l'a formulée, la nouvelle, je dirais, orthodoxie de la gouvernance.
a créé une sorte de mirage. Vu de loin, pour les gens qui ne siègent pas des conseils, les conseils d'administration décident de tout, voient tout, prennent les décisions, les orientations, tout est au niveau des conseils. Quand on voit de près, le mirage se dissipe. Et quand on voit de près, il y a une information qui vient de la direction, il y a une relation avec la direction, l'ensemble de l'information présentée au conseil vient de la direction. On a confiance ou pas à la direction, mais c'est toujours... Et si je siège un conseil et que je n'ai pas confiance à la direction, je n'ai qu'une chose à faire, soit démissionner ou de dire il faut changer ces dirigeants-là. Une fois que les dirigeants, on les a choisis, on leur fait confiance, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance aveuglément, mais il reste que ce sont des gens qui ont confiance en leur intégrité, confiance en leurs compétences. Bon, un jour, il y a une erreur, peut-être que, mais préalablement, c'est quand même un des dilemmes de la gouvernance, on est avec une équipe de direction que le conseil a choisi, en tout cas à un moment ou un autre, avec lequel, s'il n'est pas en confiance, il doit le changer. Mais tant que l'entreprise va relativement bien, va bien, et que les gens proposent et le conseil dispose et les choses se passent correctement, il y a une grande continuité et une grande affinité entre les deux. Et c'est normal. Ce n'est pas un lieu de relations continuellement hostiles et de débats un conseil d'administration. Et honnêtement, je suis assez... Où j'en veux, c'est qu'on a fait de l'indépendance, non seulement la pierre angulaire, mais presque l'ensemble, presque la pierre philosophale de la gouvernance. Alors que l'indépendance, c'est une condition nécessaire et non suffisante. C'est la crédibilité qui compte et c'est ça qui est le plus rare et le plus difficile, c'est-à-dire des gens qui connaissent assez ce quoi ils retournent dans cette entreprise-là, qu'ils sont presque pari passu avec la direction en termes de connaissance de l'entreprise. Mais ça suppose un investissement, ça suppose des gens qui proviennent du secteur, ça suppose, et avec toute la complexité de dire, mais s'ils sont du secteur, ils sont peut-être en conflit d'intérêts, s'ils ne sont pas du secteur, mais ils ne connaissent rien. Il y a une grande difficulté à avoir des conseils qui sont légitimes, ça va, on les élit peut-être mal, il faudrait les élire mieux et tout ça, d'accord, mais qui sont crédibles. Et je dis, je n'aime pas particulièrement les fonds de privatisation, mais ce qu'ils font, c'est d'établir une gouvernance qui est crédible. C'est-à-dire, on est autour de la table, on n'a fait que ça, on est là que pour une chose, pour faire que cette entreprise-là marche, peut-être marche trop axée sur générer du cash et tout ça, mais peu importe, on connaît l'entreprise, on investit dans l'entreprise. Je vois mal le modèle, j'ai discuté à retrouver ce modèle-là dans l'entreprise du type classique que l'on a présentement avec des actionnaires diffus, enfin, actionnaires nombreux, et un conseil d'administration de membres indépendants, aussi impressionnants que leur biographie fussent. Je dois malheureusement clore cette période d'échange. Merci à vous d'être venu en si grand nombre, mais surtout, merci M. Allaire pour ses propos très pertinents. Merci.